m'appelle Roland, je suis missionnaire au Blas de Marie Immaculée. J'ai fait une carrière de professeur d'université, mais aujourd'hui je m'occupe de dossiers spéciaux, parmi lesquels il y a le dossier des martyrs du Laos. Alors, le Laos, c'est un pays qui a fait partie jadis de l'Indochine française, mais qui est indépendant depuis 1954 et qui a un régime communiste peu favorable à la foi chrétienne depuis 1975. Alors, les martyrs du Laos, ce sont des hommes qui sont morts pour la foi chrétienne, pour la foi en Jésus-Christ, entre 1954 et 1970, au cours des guerres d'Indochine, comme on disait encore, ou du Vietnam, comme on a dit après. Voilà, donc dans ces années-là, il y avait des missionnaires au Laos et plusieurs donc ont été tués dans l'exercice de leur fonction. À côté d'eux, un prêtre du Laos, un prêtre laotien, c'est le premier de la série, le tout premier, le témoin numéro un de l'église de Laos, le père Joseph Thien, et il y a quelques laïcs, catéchistes ou autres, natifs du Laos. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de martyrs? Lorsque le pape Jean-Paul II, aujourd'hui bienheureux Jean-Paul II, a demandé à l'Église entière de célébrer un jubilé, le jubilé, le grand jubilé de l'année 2000, il a voulu aussi que l'on fasse mémoire dans ce jubilé des témoins de la foi au XXe siècle. Les évêques du Laos, à ce moment-là, ont décidé de prendre part à cette grande action de célébration de la mémoire et ils ont fait leur propre liste de témoins. Donc des hommes qui étaient morts dans les années que j'ai citées et que eux et leurs fidèles considèrent comme leur père dans la foi. Alors, un prêtre du Laos, un jeune prêtre, il n'avait pas beaucoup plus que 30 ans, lorsqu'il a été pris, mis en camp de rééducation, et comme il n'était pas rééducable, il a été simplement fusillé. Et puis ensuite, les missionnaires qui, eux, avaient la consigne de rester quoi qu'il arrive. On a là une décision admirable de leur part qui est très bien documentée à travers les lettres et les témoignages. Lorsque les Français sont partis, lorsque les militaires sont partis, lorsque l'on a abandonné le terrain à ceux qui n'aimaient pas la présence chrétienne, eux avaient la consigne et ont décidé de rester sur place quoi qu'il arrive. Et dans leurs lettres, on voit très bien qu'ils ne se font pas d'illusions. Quoi qu'il arrive, c'est vite dit, mais cela veut dire la prison, la torture, la mort. C'est ce qui leur est arrivé. Ils l'ont fait avec joie, avec simplicité, sans faire de grandes théories là-dessus. Simplement, ils ont dit, les personnes qui nous ont fait confiance, nous les accompagnons quoi qu'il arrive. Nous restons avec nos chrétiens, avec nos catéchumènes, et la vie, c'est Dieu qui décidera ce qui lui arrive. Alors, ils sont 17 sur la liste. Parmi eux, donc un prêtre laotien, il y a 6 missionnaires au Blas de Marie Immaculée, italiens et français, surtout français, 5 missionnaires des missions étrangères de Paris, et 4 laïcs laotiens. Tous des hommes très simples, très proches des réalités de base. Ils ont travaillé de leurs mains, ils ont vécu dans les villages les plus éloignés de tout, dans des conditions extrêmement précaires, à tout point de vue, au point de vue de la santé, de l'hygiène, de la nourriture, des conditions du climat, de l'habitat. Ils ont tout accepté avec joie pour annoncer la foi en Jésus-Christ auquel ils ont cru. Les personnes qui les ont reçues, les communautés villageoises qu'ils ont reçues,
surtout des minorités au Laos, ont accepté avec joie ce message nouveau pour eux, qui les délivrait de beaucoup de vieilles peurs, la peur des génies malfaisants, la peur des esprits, la peur des maladies. Ils ont accepté la foi chrétienne et donc jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils tiennent le coup malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent au Laos parce qu'ils ont cet exemple devant les yeux. J'ai vu moi-même la joie qui s'exprime dans le regard de ces témoins, des personnes un peu âgées aujourd'hui, hein, qui ont connu ceux qui sont morts. Cette joie lorsqu'ils racontent les petits faits tout simples. Je vous donnerai un fait. Et un de mes témoins m'a dit, je ne peux pas vous dire quelque chose d'utile sur le père Michel Coquelet, un oblat de Marie Immaculée, mais il venait dans mon village et j'avais 5 ans et il l'a logé dans la maison de mes parents et moi je m'étais fait piquer par une sale bête au pied, j'avais un pied très enflé, je ne pouvais pas marcher. Alors le père Michel m'a donné son soulier, un soulier, et il est reparti pieds nus. Alors j'ai demandé quelquefois pourquoi pas le deuxième soulier, mais parce que le petit pied de l'enfant évidemment ne pouvait pas tenir dans ce grand soulier. Voilà, le père Michel Coquelet, il était depuis 4 ans au Laos lorsqu'on est venu par traîtrise, hein, l'appeler dans son village au secours d'un blessé. Il n'hésitait jamais, il partait tout de suite, il fallait marcher des heures ou pédaler sur la route pendant des heures. Il y est allé et on l'attendait et on l'a exécuté. Voilà, ça c'est un exemple tout simple. Je vous donnerai l'exemple aussi du plus jeune des martyrs du Laos. C'est tout à fait dans le sud du pays, un jeune écolier, il avait 16 ans, et pieux, mais sans plus, un enfant comme les autres, on m'a dit cela, les témoins m'ont dit cela, mais le missionnaire devait aller rencontrer deux groupes de catéchumènes dans la montagne. Il y avait interdiction de par la guérilla d'aller dans cette région. Eh bien, ce jeune écolier, Thomas, de son nom, de baptême, a dit à ses camarades, on ne peut pas laisser le père partir tout seul, c'est trop dangereux, j'y vais avec lui. Il a été suivi par un petit camarade, plus jeune encore, qui vit toujours et qui m'a raconté tout cela en détail. Voilà, et puis au retour de cette expédition, hein, où les deux communautés ont eu la messe, ont eu le catéchisme, au retour, on avait monté une embuscade et donc à la mitrailleuse, on a achevé le père et son compagnon Thomas. Tout simplement, il avait décidé que si le père devait mourir, lui mourrait avec le père. Il lui faisait confiance dans la vie et il lui a fait confiance dans la mort. Voilà. J'ai rencontré son père, sa sœur, ses tantes qui vivent toujours. Tout le monde sait que c'est un témoin de la foi, même à 16 ans. Il y a beaucoup d'autres faits de ce genre que l'on pourrait raconter. Ils n'ont pas tous été tués par la guérilla communiste. Il y a aussi le père Jean Vautier, un homme du nord de la France, formé dans toutes sortes de sciences linguistiques, médicales, etc. Et qui, lui, a pris la décision de retourner parmi les réfugiés dans les régions les plus difficiles. Il a eu avec beaucoup de peine la permission, que ce soit de son évêque ou du gouvernement, d'aller dans les zones dangereuses. Et là, il s'est occupé, entre autres, de répartir les aides qui étaient accordées aux réfugiés. Le père Vautier a défendu les plus pauvres. Il a lutté jusqu'au bout pour que chacun ait de quoi vivre. Et il a visité de façon absolument infatigable les villages les plus lointains, les plus haut perchés, les plus inaccessibles. Et un jour, on a là aussi, par traîtrise, organiser une civili-attaque soi-disant de la guérilla et il a été tué par des gens qui n'aiment pas la justice et le droit.
Alors, beaucoup demandent aujourd'hui pourquoi béatifier ces hommes. La béatification, c'est un mot compliqué d'abord, et puis c'est une cérémonie un peu l'autre fois. Certains disent, eh ben, ils avaient choisi le mauvais camp. D'autres disent, c'était la guerre, ils n'avaient qu'à s'enlever du chemin. Hein, la guerre, il y a des dégâts collatéraux, c'est normal. D'autres disent, mais enfin, ils n'ont rien fait d'extraordinaire, ils sont simplement restés sur place. Être un martyr, c'est beaucoup plus que ça, il faudrait proclamer sa foi devant le tribunal. Eux n'ont pas fait cela, ils ont simplement été témoins jusqu'au bout. Alors, pourquoi les béatifier? Parce que l'Église du Laos en a besoin. Ils ont besoin de modèles, ils ont besoin de pères à vénérer. Ils ont besoin d'exemples lumineux devant leurs yeux lorsque c'est difficile d'être chrétien. Et c'est un pays où il est très difficile d'être chrétien. Il y a beaucoup de désavantages. Et pourtant, ils sont toujours 45 000, comme autrefois, à se déclarer catholiques et au moins autant de protestants. Et donc, la béatification, si on veut, ça ne sert à rien, mais ça sert à dire officiellement devant la grande communauté mondiale des croyants que oui, ce sont d'authentiques témoins de Jésus-Christ, ce sont d'authentiques témoins de l'amour de Dieu pour les plus pauvres, ce sont d'authentiques témoins de la justice de Dieu qui peut exister aussi parmi les hommes. La communauté chrétienne du Laos est faible, elle a peu de prêtres, elle a été décimée par la persécution. Et aujourd'hui, donc, eux regardent vers Rome pour demander que la grande Église, à l'échelle du monde, reconnaisse ces hommes comme à l'égal des anciens martyrs de Rome ou à l'égal des martyrs de tous les siècles. Voilà, le Laos a besoin de ces martyrs et c'est pour cela que j'y consacre beaucoup de mon temps, beaucoup d'énergie. Le diocèse de Nantes en France a accepté de prêter main forte aux évêques de Laos parce que là-bas, on ne peut évidemment rien faire ouvertement et officiellement. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle un procès canonique dans le diocèse de Nantes qui a duré un an et demi, où on a recueilli des documents, d'innombrables documents, il y en a plusieurs centaines, en tout 3000 pages dactylographiées. On a recueilli aussi des témoignages de toutes sortes, en France, au Laos et ailleurs, de gens qui avaient connu un peu ou beaucoup ces témoins de la foi, ces martyrs, mot qu'on met aujourd'hui entre guillemets encore. Et puis le dossier est parti à Rome, et à Rome, il va être étudié. On ne sait pas quand il aboutira, peut-être dans un an ou deux, peut-être dans plus de temps. Cela dépend de beaucoup de paramètres que je ne maîtrise pas. Moi-même, je suis toujours en train de faire l'analyse, la présentation, la synthèse de ces documents pour qu'un jour, oui, on puisse dire « Saint Martyr de Laos, priez pour nous ». Voilà. Et je souhaite que tous ceux qui m'écoutent puissent eux aussi, là où ils sont, dans n'importe quelle circonstance, joyeuse ou malheureuse, être témoins de leur foi en Jésus.